Hello, hello, hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Love. Aujourd'hui, ce que je souhaite partager avec vous, c'est le sujet de la dépendance affective. Ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que nous sommes tous, chacun d'entre nous, dépendants affectifs. C'est un besoin que nous avons en tant qu'êtres humains. Nous avons tous besoin d'être aimés et d'aimer quelqu'un. Alors la dépendance affective, c'est quoi? C'est lorsqu'on fournit trop par rapport à notre partenaire dans la relation. Lorsque vous êtes en relation et que vous savez que vous êtes la personne qui donnait trop de votre énergie, de votre temps, de vos ressources, de votre amour, c'est que vous êtes en dépendance affective. Ce qui est important de savoir au sujet de la dépendance affective, c'est que ce n'est pas en donnant plus que nous allons recevoir plus. Non, au contraire. Lorsque nous sommes en relation, c'est important d'apprendre à maintenir une forme d'admiration aux yeux de l'autre. C'est en construisant notre propre monde, en ayant notre propre vie personnelle forte, que nous allons pouvoir attirer les autres dans notre monde. En construisant ton monde, tu attires les autres dans le tien. Ce n'est pas en cherchant à entrer dans le monde de l'autre que tu vas faire que l'autre va t'aimer. Non. Alors, pour s'en libérer, c'est très simple. Il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de reconnaître sa faiblesse. Reconnaître que vous êtes la personne qui donnait trop dans votre relation par rapport à l'autre. La deuxième chose à faire, c'est de vous construire une vie personnelle forte. Construisez-vous un cercle social fort, un cercle familial, un cercle d'amis. Ayez des rêves, ayez des objectifs personnels forts. Soyez passionné par votre vie, aimez votre vie. Et vous allez voir que vous n'allez plus vivre en dépendance affective. Vous n'allez plus attendre de votre partenaire pour qu'il vous rende heureux. Vous n'allez plus dépendre de votre partenaire pour qu'il vous rende heureux. Vous n'allez plus dépendre de votre partenaire pour que vous soyez bien et équilibré vous-même. Non. Vous allez être une personne d'abord équilibrée vous-même. Vous allez être une personne qui vous aime d'abord. Et vous allez pouvoir être heureux dans vos relations. Je vous souhaite une excellente journée. Love.